Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'acceptation, d'accepter chaque différence d'autrui, d'accepter les différences même de nos proches, de notre moitié si tu es en couple, de nos enfants, de nos parents, etc. Parce qu'on est tous différents. Toi, tu sais ce qui te rend heureux, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu connais tes valeurs, mais on est tous différents et c'est ça la beauté de la planète finalement, c'est qu'on a tous nos différences, on a tous nos manières de penser, de vivre, et partout où tu vas, eh bien, dans chaque pays, il y a des cultures qui sont différentes, et c'est ça finalement la beauté de la communauté humaine. Mais l'acceptation et comprendre aussi les différences, c'est très important. Maintenant, tu ne dois pas nécessairement accepter cela, tu ne dois pas accepter les différences, mais comprendre ces différences, ça va tout jouer pour ta vie. Même si toi, eh bien, tu n'es peut-être pas d'accord avec ces différences et que tu ne vas pas les appliquer pour toi, mais te mettre dans la peau des autres pour mieux comprendre pourquoi ils font cela et comment toi tu peux réagir pour que ça aille dans le bon sens de la conversation ou bien dans le comportement que tu as avec ces personnes, ça va vraiment jouer une différence énorme pour la négociation parfois, mais parfois c'est pas nécessairement une négociation, parfois c'est simplement avoir une bonne conversation avec des personnes peut-être qui ont une vision de vie qui n'est pas la même que la tienne. On a tous une manière d'interpréter les choses et une perception des choses qui sont différentes. On perçoit tous des événements donnés de manière différente. Pour certaines personnes, eh bien, quand il pleut dehors, c'est horrible, ils râlent, ils sont de mauvaise humeur. Et pour d'autres, voilà, ils ignorent la pluie, c'est seulement de l'eau en effet. C'est pas très grave d'être mouillé. Et puis finalement, pour d'autres, ils sont super heureux, ils sautent de joie parce que peut-être qu'ils ont un chat de riz et quand il pleut, eh bien, c'est génial pour leur cultivation. Donc tu vois, on a tous des manières de voir les choses différentes. Pour certaines personnes, le soleil, c'est génial. Quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est super. Pour d'autres, ils n'aiment pas le soleil, ça abîme leur peau. Après, ça irrite, il faut mettre de la crème solaire, etc. Et à nouveau, c'est lié aux perceptions, c'est lié aussi à notre vécu. Quand on regarde un film, si tu vas au cinéma avec d'autres personnes, eh bien, il y a certaines scènes du film qui vont plus te rester dans ta tête que d'autres. Et pour les autres personnes, eh bien, ils vont voir le film, ils vont percevoir ce film de manière différente. Il y aura d'autres scènes qui vont leur rester, qui vont être plus émouvantes, ces scènes-là. Et pour toi, peut-être que ça ne va rien te faire. Parce qu'à nouveau, ton vécu est différent, ta culture, ton éducation, parfois c'est aussi lié à la religion, etc. Et cela, finalement, ça nous construit. C'est un peu comme une fondation, un squelette, un échafaudage. Pas vraiment l'échafaudage, mais en réalité, quand tu nais et les 5-7 premières années de ta vie, c'est finalement la fondation de ta vie. Mais déjà, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu ressens les sentiments que ta mère a et même que tes grands-parents ont. Et cela, finalement, ça se reflète sur ta psychologie. Et c'est pour cela aussi qu'on est tous, finalement, on a tous un moule différent et parfois on a une sensibilité différente. Parfois, tu es peut-être que tu as 5 frères et sœurs, mais même si tu as eu la même éducation, eh bien, je suis persuadé que vous avez tous un certain caractère qui est différent. C'est impossible d'avoir le même caractère. On est tous uniques, on a tous notre sensibilité propre et c'est ça qui fait la beauté des choses. Mais si tu as du mal à comprendre la différence des autres, même si tu ne l'acceptes pas, il ne faut pas l'accepter, mais si tu as du mal à comprendre et que tu veux que les autres pensent comme toi, ça ne va jamais aller. Tu vas toujours aller à contre-courant et ça va se bloquer, ça va heurter. Quand tu acceptes les autres, quand tu acceptes les différences, tu vas voir justement toute la beauté du monde. Tu vas voir finalement les fleurs qui à la base te paraissaient fanées, tu vas les voir fleurir. Tu vas mieux comprendre pourquoi ils pensent de cette manière-là et ça va ouvrir ton champ de tes pensées et ton champ des possibles. Avant, peut-être que tu étais beaucoup plus, beaucoup plus, tu pensais de manière beaucoup plus, on appelle en anglais narrow-minded et open-minded. Donc avant, tu étais peut-être moins ouvert d'esprit, tu étais beaucoup plus serré d'esprit. Et maintenant,
en voyant la vie de manière différente et en comprenant mieux les autres, eh bien, ça va beaucoup plus t'ouvrir ton esprit. En voyageant davantage, tu vas voir beaucoup plus de personnes différentes, tu vas voir des cultures différentes et tu vas voir des manières de faire différentes. Tu vas voir des savoir-faire qui sont complètement différents de ce que tu as été habitué et ça va à nouveau te... Waouh, ça va t'ouvrir l'esprit de manière incroyable. Et au plus tu fais cela, au plus tu regardes des documentaires différents. D'ailleurs, rien que le fait de visionner des documentaires et d'accepter que les autres font des choses différentes, ça va tout changer pour toi. Ça va aussi augmenter ta créativité et ainsi, ça va pouvoir, peut-être tu vas créer de nouvelles choses, tu vas être beaucoup plus apaisé d'esprit. Donc je te conseille de faire cela et du moins de t'intéresser. J'espère que cette session un peu philosophique va t'aider et moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À une prochaine, ciao.